Cette lecture est placée sous le signe de la traduction à la Maison de la Poésie, puisque elle intervient dans une journée consacrée au sonnet précédemment de Shakespeare, et plus largement elle intervient dans l'effort fait par la Maison de la Poésie pour inscrire l'acte de traduire comme pour dire en fait que l'acte de traduire est aussi et bien évidemment un acte poétique. C'est cette idée, l'acte de traduire comme acte poétique, que double change, porte depuis son origine, il y a 10 ans. Double Change, qui organise la lecture de ce soir, est un collectif de 7 membres dédié à la traduction de l'écriture écrite en langue anglaise et française, donc France, États-Unis, Royaume-Uni essentiellement. La question que nous nous posons avec nos lectures, nos DVD, notre site, n'est pas tant qu'est-ce qui passe en traduction que qu'est-ce qui se passe. Parce que l'acte de traduire prend diverses formes quand il est lu sur la scène comme ce soir. Qu'est-ce qui se passe donc ce soir ? Il va se passer des traductions entre des auteurs et des traducteurs. Il va se passer des traductions entre artistes et traducteurs. Il va se passer des traductions entre artistes et auteurs. Il va se passer aussi des traductions entre la salle et ce qu'on peut appeler la scène ou l'estrade. Et qui peut-être, ces traductions feront qu'on se dira « la traduction se passe ». Cette soirée est aussi organisée dans le cadre d'un colloque qui rassemblait des artistes, des poètes, des conservateurs de musées et de bibliothèques, des éditeurs de livres d'artistes et des universitaires français et américains. Et il semblait évident, après ces intenses journées de réflexion sur le livre d'artistes et sa co-élaboration avec des poètes, il semblait important donc de donner à voir, de donner à entendre ces auteurs et ces artistes et de faire à nouveau l'expérience de leur travail. Ce qui se passe donc ce soir, c'est à nouveau, comme Double Change aime à le faire, une expérience qui aura lieu en 8 séquences. 8 séquences à travers des lectures, des projections, des traductions, un entretien, 2 entretiens, une performance, c'est-à-dire à travers des interventions dans cette salle. Cette lecture n'aurait pas pu avoir lieu sans Claude Guerre, le directeur de la Maison de la Poésie, et son équipe qui nous ont aidés tout au long de la journée et en amont. Elle n'aurait pas pu avoir lieu non plus sans Anka Christofovici et Barbara Montefalcone, qui ont eu l'idée du colloque, qui ont travaillé à ce colloque, qui nous ont sollicité Double Change pour cette lecture. Je veux les remercier chaleureusement ici. Et elle n'aurait pas pu avoir lieu non plus sans la Terra Foundation, qui à aider ce colloque de manière au moins financière. Et puis, je veux aussi dire que cette lecture ne peut pas avoir lieu sans 2 compères de Double Change, Abigail Lang, qui enseigne à l'Université Paris Diderot, elle enseigne la littérature américaine, et elle traduit merveilleusement les poètes, parmi les poètes les plus difficiles de la langue américaine. Elle traduira ce soir Charles Bernstein. Et puis, Olivier Brossard, qui est un des membres fondateurs avec qui j'ai fondé Double Change, il y a 10 ans donc, universitaire à Paris-Est, et qui traduira ce soir Vincent Katz. Alors justement, la première lecture, c'est celle de Vincent Katz. Vincent Katz, donc, est poète, traducteur, éditeur, commissaire d'exposition et vit à New York. Il a traduit en 2004 « The Complete Elegies of Sextus Propertius ». Il a publié de nombreux livres de poésie, la plupart en collaboration avec des artistes, tels que Francesco Clemente, Matthias Mensen. Il a écrit de nombreux articles et des monographies sur un grand nombre d'artistes, comme Francesco Clemente, Kiki Smith, Jim Dine, Cy Twombly, Rudy Burkhard, Gada Amer. Et puis en 2002, il a publié une étude sur le Black Mountain College au MIT. Il va lire ce soir son poème en entier, puis Olivier Brossard lira la traduction. Bonne soirée. Good evening, bonsoir.
I'm going to read from a forthcoming publication, which is a collaboration with my father, the painter Alex Katz, and we should have some images of that work, which is called The Dive, before I start. Here we go. The Dive. Can we see the next one? There we go. The Dive. One. There's a solidity to the boats here. The land is just across. Cars can be seen on their errands. The plane of the water is also solid. The trees are very old. One or two early risers exercise. A girl bicycles, followed by her jogging dad. The miniature sails of the class like goslings go by. Voices, tones begin to rise to give credibility to the day. Hidden views through windows onto grass, a secret up inside the insulation. Two. There has to be a fighter there, not someone who will run away. After the day's activities, shades of blue, black, silver, gray, let out expectation in a flourish, song as insistent flickering, boats in their places moored, a wide empty space that secures and also frightens, a life that happened so long ago. Three. Morning shade on lawn with patches of light, sun on wall of third floor window. All the expectations one had when young, still expectations, here and transferred. Upper story quiet, punctuated by clicking. A bunch of old newspapers one has wanted to read. A stack of books one needs to read. An old armchair in a corner. A brightly striped native carpet over white stained floors. Four. A constant draining sound of nearby work, continuous slow motor, hauling or cutting. One should walk over and take a look. On the bay, the same placid surface as always. At the end of the dock, a boy in red shorts and yellow t-shirt casts into the water, eternally bright. The view is framed by giant oaks. Among the oaks, significant sailboats steady at anchor, stable houses, sturdy posted docks, and the yacht club, founded 1886. The most important thing is the boy. Five. If you wait long enough, you will see something. A hawk defending her nest against a raid of crows. Opening fruit from the plastic to let it breathe. That is a gift of life from your mother to you. The ferry in its docking station, black triangular mast, a siren praying to planks and docks, mysterious bridge through which cars pass on their way to Islesboro. What did your mother give you? Were you nurtured or challenged at every step? Challenge is a kind of school, love as hard knocks. Then travel to the city to become someone, encounter minds that would lead you upward. Six. He was teaching his son how to cook a big piece of meat. Those crannies that used to terrify can now be brooked, those bicycle rides. I never thought the pines would age, never thought those songs would, unheard, but opposite poles apply. I'm not going to rely only on my progeny, but also look in the other direction, be there directly, be able to be the one who is there at the end of the day, after the driving, and the lunch and dinner and the art and conversations in between, all the livelong day. Seven. Balance is achieved daily, sometimes in the morning, sometimes at night. In between is a tough digestion, matter thrown this way and that. It is not agreeing,
But fencing, fending, fearing, defending, always it is like pushing hands, hands and touch also providing a way out or a comfort in the cold, delicacy, something understood. It is like planning a day, a trip, or sequence of activities. It is almost impossible to stay on course, buffeting of waves, circling. The constant losing of things is part of the dive. 8. Out over water, swifting in the push, timeless running, and land's frame circles. The family, food and drink are pushed landward, seaward, larboard. Party-colored buoys, what are lances, are forward-thrusted thoughts. Indeterminate oblong fancying across the cove. Song existed marginally abrupt. Back over time, up to the house, where floors and walls are painted as painting would exhaust. A man, exhausted, dances in lieu of expiring. A house is thrust forth on rock, where dances are remembered. Fragments of thought in memory are pieces of nights, where beginnings are encrusted. 9. A giant cloud sat like a whale over the day, far over the bay, over the island distant, enclosing boats bobbing at anchor. It was possible to see clouds from inside the water, enveloped by it, looking up, and the giant shapes they made, spending time and passing it, inside or out, one or another, yet able to be with all of it, separate, but somehow both or all at once. 10. A most melodious song that fills and returns. It is there throughout the day, joined at times by others. Somehow a work of song, rhythm that exists in a garden, outside a house. Nothing is needed to add to the day that begins at dawn and ends at a much later time, except what needs to be done and incessant talk. But there is the heart of love, too, that descends like sweet liquor, filling the body, causing one to lift and float above the day, which is still refreshed by the morning song that continues and continues. Thank you. Bonsoir. Donc je vais lire la traduction et je voudrais remercier Vincent Katz pour son aide ces derniers jours. Le plongeon. 1. Les bateaux ici ont quelque chose de solide. La terre est juste en face. On voit des voitures poursuivre leur course. La surface de l'eau est aussi solide. Les arbres sont très vieux. Un ou deux lève-tôt font leur gym. Une petite fille pédale. Son père fait son footing en la suivant. Les voiles miniatures de la classe, comme des oiseaux, passent. Voix et sons s'élèvent peu à peu, donnent quelque crédibilité au jour. Perspective secrète, à travers fenêtre, sur l'herbe, un secret lové dans l'isolation. 2. Il faut qu'il y ait un combattant, pas quelqu'un qui va s'enfuir. Après les activités du jour, des nuances de bleu, noir, argent, gris, expriment l'attente en beauté. Chansons en scintillement insistant, bateaux à leur place amarrée, un espace vaste et vide qui rassure, mais aussi effraie. Une vie qui s'est passée il y a si longtemps. 3. Ombre du matin sur la pelouse avec tache de lumière, le soleil sur le mur près de la fenêtre du troisième étage. Toutes les attentes que l'on a, jeunes, toujours des attentes, ici et transférées. Étage du haut calme, ponctué de clics, un tas de vieux journaux qu'on a voulu lire, une pile de livres qu'on doit lire, un vieux fauteuil dans un coin, un tapis indigène aux rayures vives sur un sol taché de blanc. 4. Incessant le son lancinant de travaux à côté, moteur lent et continu qui soulève ou coupe, on devrait y aller jeter un coup d'œil. Sur la baie, toujours la même surface si calme, au bout du quai, un garçon, short rouge et t-shirt jaune, lance dans l'eau éternellement scintillante. La vue est encadrée par des chênes géants. Au milieu des chênes, des voiliers imposants solidement amarrés, étables, quais solides, et le Yacht Club, fondé en 1886. La chose la plus importante est le garçon.
5. Si tu attends assez longtemps, tu verras quelque chose. Un faucon défendant son nid contre une volée de corbeaux. Ouvrir l'emballage plastique pour laisser respirer le fruit. Voilà un cadeau de la vie, de ta mère à toi. Le ferry à l'embarcadère, mât noir triangulaire, une sirène priant, planches et quais, pont mystérieux par lequel les voitures passent leur chemin vers Islesboro. Qu'est-ce que ta mère t'a donné ? As-tu été choyé ou défié à chaque fois ? Le défi est une sorte d'école, l'amour sous forme de coup. Ensuite, va vers la ville pour devenir quelqu'un, rencontre des esprits qui te tireraient vers le haut. 6. Il montrait à son fils comment cuire un gros morceau de viande. Les recoins qui faisaient tellement peur sont maintenant supportables. Les balades à vélo, je n'ai jamais pensé que les pains vieilliraient, jamais pensé que les chansons non plus. Pas entendu. Mais les forces opposées entrent en jeu. Je ne vais pas m'en remettre à ma progéniture seule, mais aussi regarder dans l'autre direction, y être, directement, être capable d'être celui qui y est, à la fin de la journée, après avoir conduit, après le déjeuner et le dîner, et l'art et les conversations entre, toute la sainte journée. 7. L'équilibre est atteint, chaque jour, parfois le matin, parfois le soir. Entre les deux, il y a une digestion difficile. La matière envoyée ici et là, elle n'est pas en accord, mais pourfend, fend, fuit, défend, toujours. C'est comme repousser des mains, mains et toucher aussi, ça ouvre une issue ou une consolation, dans le froid, délicatesse, quelque chose de compris. C'est comme prévoir une journée, un voyage ou une série d'activités. Il est presque impossible de tenir le cap, le ressac, le tourbillon, des vagues, l'incessante perte des choses qui fait partie du plongeon. 8. Là-bas, sur l'eau, rapide dans la poussée, course intemporelle et les pourtours circulaires de la terre, la famille, boissons et nourriture sont poussés à terre, à la mer, à bâbord. Des bouées multicolores, que sont les lances, sont des pensées jetées vers l'avant, rêveries indéterminées et ovales sur lance. Il y a eu la chanson marginalement abrupte, dans le temps, jusqu'à la maison, où sols et murs sont peints comme la peinture s'est épuisée, un homme, épuisé, danse, au lieu d'expirer. Une maison est projetée sur pierre, où l'on se souvient des danses, des fragments de pensée dans la mémoire, sont des morceaux de nuit, où les débuts sont incrustés. 9. Un nuage géant s'est assis sur le jour comme une baleine, loin sur la baie, sur l'île distante, incluant la danse des bateaux à l'ancre. On pouvait voir des nuages à l'intérieur de l'eau, enveloppés par elle, regardant en l'air, et les formes géantes qu'ils formaient, tuant le temps et le passant, dedans ou dehors, l'un ou l'autre, pourtant capable d'être avec tout ça, séparés, mais pourtant les deux ou tout d'un coup. 10. Une chanson si mélodieuse qui comble et revient. Elle est là toute la journée, rejointe parfois par d'autres, comme un travail de chanson, rythme, qui existe dans un jardin attenant une maison, rien besoin d'ajouter au jour, qui commence à l'aube et finit bien plus tard, sauf ce qui doit être fait, et la conversation incessante. Mais il y a le cœur de l'amour aussi qui descend comme une liqueur douce, emplissant le corps, faisant s'élever et flotter au-dessus du jour, qui est toujours rafraîchi par la chanson du matin qui continue et continue. Merci. Merci à Olivier, merci à Vincent Katz. Parfois, on le voit, l'image fait face au poème. Parfois, on va le voir, le texte s'écrit sur l'image, au bas de la page, et participe de cette image. Parfois aussi, le lien entre art et poésie ne se dit pas par une interaction entre le visuel et le poème, mais se fait par le poème sans l'image visuelle. La lecture de Bill Bergson va répondre à ces deux paradigmes. D'une part, nous lirons des textes qui ont été publiés en français dans Partie du corps, je vous en reparlerai. Et puis, par ailleurs, nous lirons de bout en bout un livre d'artiste, donc, où le texte vient s'inscrire au bas de la page. Bill Bergson est auteur de nombreux livres de poésie, il est critique d'art, il est commissaire d'exposition et il est né à New York. Il est associé à l'école dite de New York. Il a collaboré notamment avec Frank O'Hara.
et avec d'autres, et avec de nombreux artistes tels que Joe Brainerd, Alex Katz, George Niemann. Il a aussi écrit beaucoup d'essais d'art, sur l'art, qui sont rassemblés en trois livres, The Sweet Singer of Modernism and Other Art Writings, chez Quoi Books, Selected Lectures, chez Cuneiform Press, et puis For the Other Artists, chez Blaze Voice, Vox Books, Bill Bergson. Shall I explain? We originally planned to read just one from one book, but realized that that added up to 6 minutes, perhaps too short. And so very impromptu, we're going to read some other poems, because the other book is really not a poem, and accompanied by some of the images that, yes, that were shown in Cannes. But the images will occur in completely random sequence, having hopefully nothing to do with the poems. On avait donc d'abord décidé de lire, de ne lire que les pages de ce livre, mais quand on a fait la répétition, ça a duré à peu près 6 à 7 minutes. Donc on s'est dit tout à l'heure qu'on allait ajouter, en première partie de cette lecture, d'autres textes qui donc ont été publiés dans Partie du corps, juste sortis chez Jocaseria. Vous en trouverez des exemplaires sur la table en sortant de la salle, et que allaient être projetées des images de livres d'artistes de Bill Bergson, mais les images seront diffusées au hasard, et donc il n'y aura à peu près aucun rapport entre les textes qu'on va lire et les images qui vont être diffusées. Très bien. Back in the 1960s, I love the way the steps in Chinese ballet rule out the use of the thumb in any but my idea of it. Leap, beeswax, the sure face of wisdom, taking out a banana sundae and pushing in your face, Mushorama. Dans les années 60, j'adore la façon dont les pas du ballet chinois excluent l'utilisation du pouce, sauf dans la conception que j'en ai. Bon, cire d'abeille, visage assuré de la sagesse en porte, un sundae à la banane, et s'enfonçant ton visage, Siruporama. Stanky. A simple weight attached, and a circle raised alone, no strings, to a great height, then let fall. There is nothing missing, and the space around is all. The space you see is all. Stanky. Oh, we never know why you're laughing. At the poem or at the image. This time I know. On sait jamais pourquoi vous rigolez. Ouais. Stanky. Un simple poids attaché et un cercle élevé seul, pas de corde, très haut, puis relâché. Rien ne manque et l'espace alentour est tout. L'espace que tu vois est tout. Love story. The gray ball goes batty. Histoire d'amour. La balle grise devient frappée. Sudden fear. An old woman watching me from her window. Sudden fear. Panic. She is there no more. Peur soudaine. Une vieille femme me regarde de sa fenêtre. Peur soudaine. Panique. Elle a disparu. In the breeze. Buddhism says it is possible to get your mind together like the wings of a butterfly. It is also possible not to get your mind together
and still exist like a butterfly, but with no wings. Dans la brise. Le bouddhisme dit qu'il est possible de rassembler son esprit comme le papillon replie ses ailes. On peut aussi ne pas rassembler son esprit et exister quand même, comme un papillon, mais sans les ailes. Negative. The door. If you pull it, it's heavy. If you push it, it's hard. This push-pull contest continues until the restaurant closes and the streets are empty of all but a few passers-by. You are left wondering if just holding it wouldn't involve exactly the same level of force. Négatif. La porte. Si tu la tires, elle est lourde. Si tu la pousses, c'est dur. Ce jeu de pousser-tirer se poursuit jusqu'à ce que le restaurant ferme et que les rues soient presque entièrement débarrassées de leurs passants. Tu te demandes alors si maintenir la porte ouverte n'impliquerait pas exactement la même quantité de force. The living brain. Let the cats settle it themselves. Le cerveau vivant. Laisse les chats régler ça tout seul. Domino. Mother and son are playing dominoes on the floor in the cool of bright late autumn afternoon upstairs of the little country house they live in. It is very intent, yet like the eucalyptus. Two cats, male and female, turn and gel on the patchwork Vermont bedspread. This is Northern California. Every 10 minutes or so, one of the players shouts out, Domino. Domino. Mère et fils jouent au domino sur le sol dans la fraîcheur lumineuse d'une fin d'après-midi d'automne, à l'étage de la petite maison de campagne qu'ils habitent. Grande concentration, comme l'eucalyptus. Deux chats, mâles et femelles, se tournent et se pelotonnent sur le patchwork du Vermont. On est en Californie du Nord. Toutes les 10 minutes environ, l'un des joueurs s'exclame « Domino ». Those were all from one time, sometime in the late 60s. The next few poems, I think there are three of them, are from a little later in the 70s. It's called Babies Awake Now. And now there is the lively sound of a panel truck heading due southwest along Elm Road, edge of dusk. The densest light to see to drive by. The underbrush has brown fringe and small silent birds. I saw the rainbow fire. I saw the need to talk. I saw a unicorn and a red pony, and I didn't want any deviled eggs. I drove home with my collar up. We're alive. You do alarm me to the fact. The light is on the window in the air, and breath comes faster than the hounds to sanction what remembered, what stuck. Bébé s'est réveillé. À présent, apparaît le bruit vif d'une camionnette en route vers le southwest sur Elm Road, seuil du crépuscule. La lumière la plus dense pour la conduite. Les sous-bois ont un contour marron et de petits oiseaux silencieux. J'ai vu le feu arc-en-ciel, j'ai vu le besoin de parler, j'ai vu une licorne et un poney rouge, et je ne voulais pas d'eux à la diable. J'ai fait la route du retour avec le col relevé. On est en vie, tu m'éveilles à cette réalité. La lumière sur la fenêtre, dans l'air et le souffle se fait plus rapide que les chiens pour autoriser ce qui se souvenait, ce qui coinçait. Duchamp dream. Well, you'll just have to imagine. Marcel Duchamp and I are collaborating on a giant wall painting. Duchamp's part in this work consists of a talking portrait of himself,
a profile which appears at the center of a brightly colored rectangle on the white wall. Using a long stick to push the colors around, I demonstrate the niceties of the composition to a large audience standing in semicircle around me. You see, I say, Duchamp and I are much the same, but mostly at the edges. Now the right-hand edge of the rectangle explodes in a flashing white light, which then bleeds into a field of dazzling pellucid orange. The room during this phase of the work has been almost totally in the dark, the only light source being the painting itself, its colors, illumined from the inside. Now the room lights up, and I am painting the four walls running back and forth like crazy with my stick. In one corner, I draw a huge black gorilla figure, and pivoting to face the next long wall, I trace a black line punctuated with a thick gob of paint which sticks out like a fist. I pause, sensing this work is a great success. Rêve Duchamp. Marcel Duchamp et moi collaborons à une peinture murale géante. Pour cette œuvre, Duchamp doit se charger de peindre un portrait de lui-même parlant. Ce profil figure au centre d'un rectangle de couleurs vives peint à même le mur blanc. Muni d'une longue baguette pour étaler les couleurs, je montre les subtilités de la composition à un public important qui se presse en demi-cercle autour de moi. Vous voyez, dis-je, nous, Duchamp et moi, sommes assez semblables, surtout au bord. Et puis, le bord droit du rectangle explose d'une éclatante lumière blanche qui coule sur un plan d'orange pellucide vif. Pendant cette étape du travail, la pièce a été presque entièrement plongée dans l'obscurité. La seule source de lumière est la peinture. Ses couleurs resplendissent en elles-mêmes. À présent, la pièce s'illumine et je peins les quatre murs, la baguette à la main, je cours de l'un à l'autre comme un fou. Dans un coin, je dessine la silhouette d'un gros gorille noir et faisant pivoter mon visage vers le long mur suivant, je trace une ligne noire ponctuée d'un épais amas de peinture qui ressort comme un point. Je marque une pause avec le sentiment que cette œuvre est un franc succès. After 99 comes 100. Coffee's bad for Tai Chi Chuan. In Southampton, we had smoke alarm. California deems it plausible to trade grammar for roof tar, the grand rondo for twilight and fog. Corny sentiment and perverted intimation, a stack of weathered magazines, pet peeves of climate notwithstanding, could shovel Adirondack or Mono Lake, but what did I bank on then? This election day, I tell you, I don't think there's much character in second sight, no matter how numbing post-verbal culture might turn out, collectively sensible and thonic, whatever, but no. My loose foot stumbles, overexposed on the breeze-blasted mesa, a momentous urge in green entangles apes and angels, waves for vocalese. But I want to live in this world, so long as it is just the one, draped like mounds over an audible rest that didn't get smashed in the process when fate was looking. Après 99 vient 100. Le café est mauvais pour le Tai Chi Chuan. À Southampton, nous avions un détecteur de fumée. La Californie juge plausible de troquer la grammaire pour un toit bitumaire, le grand rondeau pour le crépuscule et la brume, les sentiments cucus et les indications perverties, une pile de magazines défraîchis nonobstant la bête noire climatique aurait pu déneiger le lac Andirondack et le lac Mono. Sur quoi est-ce que je comptais alors ? En ce jour électoral, je te dis que je n'accorde pas grande valeur à la seconde vue. Quel que soit le degré d'abrutissement que la culture post-verbale se donne, sensible et ctonienne collectivement, comme tu veux, mais non. Mon pied, mal assuré, bute surexposé sur une mesa battue par la brise. Une forte envie de vers mêle singe et ange, vague,
pour les vocalises. Mais je veux vivre dans ce monde aussi longtemps qu'il restera le seul, entouré comme des tertres dans un silence audible qui n'aurait pas été écrasé dans le même temps lorsque le destin regardait. Let's do the just this one last poem of this part without any image on there, if we can arrange that. Just donc, blank. Voilà, juste sans aucune nulle image. The last in this set is a poem translated. All those others have been translated by Vincent Brocoy. This one was translated by Omar Berada for this book, Partier du Corps. Donc ce texte a été traduit par Omar Berada. Song for Connie. The sun met the moon at the corner, noon in thin air, commotion you later choose to notice. Love shapes the heart that once was pieces. You take in hand the heart in mind. Your fate's consistent alongside mine, unless a mess. Your best guess. That is right, thanks, the intimate fact that you elected at corners, dressed or naked, with lips taste full body, time thick or thin, fixated. Love take heart as heart takes shape, and recognition ceases to be obscure. One line down the center, another flying outward enters. Une chanson pour Connie. Le soleil a rencontré la lune au coin de la rue, midi en plein air. Bouleversement que tu as par la suite choisi de remarquer. L'amour forme le cœur qui était jadis en morceaux. Tu prends en main le cœur en tête. Ton destin est cohérent quand il est à côté du mien. À moins d'être un foutoir, ta meilleure tentative est bonne, merci, le fait intime que tu les lises au coin de rue, vêtue ou bien nue, avec les lèvres gouttes au cœur complet, le meilleur et le pire transi. Amour, prends cœur comme le cœur prend forme, et se reconnaître cesse d'être obscur. Une ligne bien au centre, une autre s'envolant, elle entre. Ok. The other set of images now. We're going to read the entirety of a work called Bill. Bill, are you there? Houdini? Yes. Bill. It simply was not possible for Bill to sleep when there were mosquitoes in his room. Bill n'arrivait absolument pas à dormir lorsqu'il y avait des moustiques dans sa chambre. War broke out the following day, as agreed. La guerre éclata le jour suivant, comme convenu. Bill felt as if his blood were turning to ice. It was that voice, smooth on the surface, but something awfully nasty and dangerous underneath. Bill sentit que son sang se glaçait. C'était cette voix, douce en surface, mais avec quelque chose d'horriblement inquiétant et dangereux en dessous. In the police station, all was quiet and peaceful. Au commissariat, tout était calme et paisible. Bill was feeling his biceps. Tomorrow, we're going to have a life and death struggle. Bill tâtait ses biceps. Demain, on va lutter à la vie, à la mort. If you've done something wrong, you've got to take your medicine. Si tu as fait quelque chose de pas bien, il faut que tu prennes ton médicament. The door fell with a dull thud. La porte retomba avec un bruit sourd. The car raced northward at a speed which caused law-abiding citizens to shake their heads in indignation.
La voiture fonçait vers le nord à une vitesse telle que les citoyens respectueux des lois secouaient la tête d'indignation. Darkness, darkness everywhere, but the little flashlight is still burning. L'obscurité, l'obscurité partout, mais la petite torche brûle encore. It's my fault, Bill said, after an interminable silence. Positively, I shouldn't have got you into this, nor me either, for that matter. C'est ma faute, dit Bill, après un silence interminable. Non, vraiment, je n'aurais pas dû t'impliquer là-dedans, et moi non plus, d'ailleurs. Bill was lying on his back under a pear tree. He wanted to think, and he could do it best in that position. Bill était sous le poirier, étendu sur le dos. Il voulait réfléchir, et c'était dans cette position qu'il y parvenait le mieux. Absorbed in mental effort. Absorbé dans cet effort mental. Blood, no doubt about it. Du sang, pas l'ombre d'un doute. Bill was the one who least felt the need of occupation. Bill était celui qui ressentait le moins la nécessité de trouver des activités. Of course there were some risks involved, but a detective must take risks. If he didn't want to do that, he might just as well run a hot dog stand. Bien entendu, cela comportait quelques risques, mais un détective doit prendre des risques. S'il ne voulait pas le faire, il pourrait tout aussi bien aller vendre des hot dogs. He jumped up, plucked a blade of grass and blew a tremendous fanfare. Il se leva d'un bond, cueillit un brin d'herbe et fit retentir une fanfare tonitruante. It was a pearl, white, shimmering pearl. C'était une perle blanche, une perle chatoyante. Bill, the line read, and above it was his picture. Bill, disait le vers, et au-dessus se trouvait sa photo. In case you didn't catch it in the title page, the drawings are by Coulter Jacobson, a young American artist. Thank you. On a pensé pour cette lecture qu'on aurait un moment au centre de la lecture un peu différent qui va être un entretien que Barbara Montefalcone va conduire. Barbara qui est donc spécialiste de la question du livre d'artiste et qui a travaillé sur notamment les livres d'artiste de Robert Creeley, le poète américain. Et donc elle va poser des questions à Shirley Jaffe et Peter Soriano. Barbara. Bonsoir à tous. Nous allons laisser la parole aux artistes. Nous avons beaucoup de chance car ce soir nous sommes ici avec Peter Soriano et Shirley Jaffe, deux artistes qui ont beaucoup de choses en commun. Avant tout, ils se connaissent très bien. Ensuite, ils sont tous deux américains, mais connaissent très bien la France. Peter vit à New York, mais vient souvent à Paris. Et Shirley à Paris depuis 1949. Et tous deux ont réalisé des livres en collaboration avec l'éditeur français Gervais Jassot et les collectifs Génération. Peter Soriano est sculpteur. Il travaille avec des matériaux variés comme la bombe de spray et les câbles. Et il a exposé dans plusieurs galeries à Paris et à New York. Shirley Jaffe est peintre. Elle vit et travaille à Paris depuis 1949 et elle expose régulièrement en Europe et aux États-Unis. En 2007, j'ai eu la chance de collaborer avec Gervais Jassot pour un catalogue d'exposition, pour une exposition qui a eu lieu à Reims, à la bibliothèque municipale. Et mon rôle était de recueillir les propos des artistes. C'est ainsi que j'ai connu Peter Soriano. Il y a quelques mois, je lui ai proposé de venir ici à la Maison de la Poésie
et de venir parler de son expérience en tant que collaborateur. Et je lui ai dit que j'aurais bien aimé qu'il vienne avec Shirley et que j'aurais bien aimé leur poser les mêmes questions. Peter a souri, a dit oui. Et ensuite, il m'a dit, ça va être intéressant, car nous ne sommes jamais d'accord. Ensuite, j'ai rencontré Shirley. Je lui ai proposé de venir. Je lui ai proposé de venir. Elle a accepté. Elle était très gentille avec moi. Elle a dit oui. Je lui ai posé la même question. Elle m'a dit, en effet, c'est vrai. Nous ne sommes jamais d'accord. Donc, on va commencer. Nous allons parler de deux livres. Le premier, donc, est Graceful, avec un texte de Fabrice Melchiot et Propos plastiques de Peter Soriano, publié par Collectif Génération en 2007. Le deuxième est Post-Restante, avec un texte du poète américain Raphaël Rubinstein et Propos plastiques de Shirley Jaffe, publié toujours par Collectif Génération. Donc, la première question n'est pas vraiment une question. J'aimerais bien que vous nous racontiez l'histoire de ces livres et que vous nous disiez comment ils ont vu le jour, qu'est-ce qui a démarré le projet et pourquoi vous avez accepté. Peter. Merci Barbara. J'ai connu Gervais, ça fait pas mal d'années. Il m'a invité, je faisais partie d'une expo quand il était directeur du Beaux-Arts de Reims. Nous nous sommes rencontrés assez près après ça à New York. À ce moment-là, il m'a proposé de faire un livre avec lui. Il m'a demandé qui peut-être je souhaiterais travailler avec comme poète. J'ai oublié un peu au fait de cette offre et des années ont passé. Une bonne dizaine d'années, je crois. Tout à coup, il y a quelques années, il m'a re-invité à travailler avec Fabrice Melchiot dans cette série de livres qui étaient tous, je crois, travaillés en même temps avec beaucoup d'autres artistes. Et voilà, j'ai, dans l'aveugle, parce que je ne connaissais pas cet écrivain, j'ai dit oui. Je crois que c'était une aventure. Et à ce moment-là, j'étais prêt à peut-être faire un travail comme ça. Et voilà, c'est un peu mon histoire de comment ça a commencé. Et Shirley? Et pour moi, j'ai rencontré Gervais Jessel, qui m'a proposé de travailler avec Raphaël Rubinstein, que j'ai connu bien. Et j'ai accepté parce que c'était, comme Peter a dit, une aventure. C'était Gervais qui a décidé sur le format de la livre. Et c'était une possibilité pour moi de travailler autrement. D'accord. Et est-ce que pour vous, il s'est agi d'un projet collaboratif? Pardon? Est-ce que c'était une collaboration pour vous, Shirley? Pour moi, ce n'était pas une collaboration. Parce que j'ai pensé qu'il y a une individualité dans l'écrit. Et pour moi, c'est une façon de décorer la page. Et j'ai pensé franchement à les décorations dans les manuscrits anciens. J'ai pensé aussi à la calligraphie chinoise. Et c'était une individualisation sur les deux côtés. D'accord. Et pour moi, on commence à déjà être pas d'accord. Pour moi, je souhaitais quelque chose d'autre. Je souhaitais un dialogue. Le sujet de la soirée est la traduction. Donc, on peut parler des traductions aussi entre des langages différents, oui, comme le texte et l'image. Et est-ce que vous pourriez nous décrire votre façon de travailler? Comment est-ce que vous avez travaillé avec les livres, pratiquement? Pour moi, il y a, je crois, 23 ou 24 numéros, toutes pliées. C'est un choix de l'éditeur. Et j'ai regardé chaque
pages avec le texte qui était déjà imprimé. Et j'ai voulu faire quelque chose en relation avec cet bloc de typographie. Et c'était une aventure, comme j'ai dit avant, parce que j'ai dû être très exact. Chaque page était différente et chaque geste a dû être exact, de ne pas retravailler. Et c'était, il y a les ratés aussi, mais il y a une suite dans chaque livre. D'accord. Et Peter? Dans mon cas, c'était 11 livres, et peut-être il y avait un extra, alors les ratages, je ne pouvais pas faire beaucoup de ratages. Comment j'ai préféré travailler, c'était de mettre 3 ou 4 sur le sol à la même fois, sur les mêmes pages, ouvert aux mêmes pages. Et j'imagine que je suis un peu impatient de le temps que le bombe de spray se sèche. Alors, c'était pratique de travailler sur 3 ou 4 à la fois. Et au même temps, je crois que ça m'aidait à avancer une proposition sur une page et puis de faire, de re-questionner cette proposition sur une autre livre sur la même page. Alors, ça me poussait un tout petit peu à faire quelque chose d'autre et pas me répéter, d'avoir plusieurs étalés à la même fois. Alors, c'était un côté pratique et un côté que ça me poussait à faire quelque chose de différent. D'accord. Et moi, j'ai pensé que c'était nécessaire d'essayer d'être créatif sur chaque page et chaque livre. Et tu as travaillé sur chaque livre un à la fois. Oui. Ouais. Et il y a peut-être les heures qui ont passé avant que j'ai passé un autre geste. Mais c'était ça d'être dans l'exactitude du geste. D'accord. Et cette question, la prochaine, on a déjà en partie répondu. Je voudrais parler du rapport entre votre propos plastique et le texte. Pardon? Le rapport entre votre propos plastique et le texte. Est-ce que vous parleriez de décoration? Et je pense que vous avez déjà en partie répondu. Mais j'ai déjà dit que j'ai pensé que pour moi, c'était une réplique à le texte. D'accord. Mais pas sur le sens de la texte. D'accord. Et Peter, c'est l'illustration de Je crois dialogue. Que c'était la décoration, hélas. Et j'aurais préféré un dialogue. Mais j'ai eu quand même une dialogue avec Gervais, avec son livre, et je crois que ça m'a beaucoup influencé dans mes dessins qui suivaient l'idée de plier les pages et de faire un travail avec le papier qui avait des dimensions autres qu'une surface. D'accord. Et donc nous allons arriver à la dernière question, et si nous pouvons arriver donc à la partie où il y a du texte. Que du texte à la fin. Et la question est la suivante. Donc, j'aimerais bien que vous réagissiez à cette affirmation de Johanna Drucker. Elle dit, on va y arriver. Même dans son format le plus conventionnel, le livre est un objet sculptural. Il a une dimension spatiale, des qualités matérielles et une structure complexe. Qu'est-ce que vous en pensez, Peter, vu que vous êtes un sculpteur? Je suis absolument d'accord, naturellement. Je crois que et l'expérience que j'ai eue, c'était une expérience physique avec le livre. J'ai vu une photo du page de Shirley en vue de, disons, du table quasiment au même niveau. Ça me donne des idées pour un autre livre, dans le sens que je le vois d'une façon peut-être physique et aussi en dimension. Mais je crois que dans le même sens, il ne faut pas toujours penser que les livres, disons, il y a une différence entre un livre de petite édition comme ceux que la collective Génération et d'une grande tirage. Et on peut penser que
Différemment, qu'est-ce que c'est l'objet physique dans un grand tirage? Ce n'est pas du tout les mêmes questions, mais c'est des questions qui sont passionnantes aussi. D'accord. Shirley, qu'est-ce que vous pensez de cette... Je ne vois pas le livre comme une sculpture. Simplement. Donc vous n'êtes pas d'accord? Absolument. Absolument pas. Pourquoi? J'ai pensé à ça et il me semble que le livre est là pour être lu. Et ce n'est pas un objet comme de mettre dans une boîte plastique. C'est vraiment quelque chose qui est quotidien. C'est pour informer, c'est pour faire une expression de la part de l'écrivain. Et nous, comme artistes, on peut simplement accompagner cette volonté d'expression. Je pense que c'est une conclusion parfaite. Nous allons nous arrêter là. Un grand merci à Shirley Jaffe et Peter Soriano pour avoir accepté cette invitation. Donc, je vais passer à donc. Oups, on a oublié quelque chose d'important. Donc, je vais passer. Je vais introduire l'auteur qui va maintenant lire. Et je vais accueillir donc Raphaël Rubinstein, qui est poète et critique américain basé à New York. Il enseigne aussi à l'Université de Houston. Il connaît très bien Paris car il est venu ici en tant qu'étudiant et il a vécu donc à Paris pendant une période et ensuite il est revenu à plusieurs reprises à Paris. Raphaël a aussi collaboré avec Gervais Jasso en tant qu'écrivain et ce soir il va commencer sa lecture par quelques extraits de Poste Restante, le livre que nous avons vu illustré par, décoré par Shirley. Donc, le texte qu'il va lire a été écrit avant la conception du livre. Raphaël a rencontré Gervais Jasso. Gervais lui a proposé de faire un livre et Raphaël a suggéré d'utiliser Poste Restante comme texte. Et ensuite, Gervais a proposé Shirley Jaffe comme artiste et comme elle a raconté. Il se connaissait déjà très bien et il a été très content d'accepter. Ensuite, Raphaël lira un autre texte intitulé New York Holy Bus, publié en 2006, écrit dans un car entre New York et Holy pendant un voyage de 3 heures. Et il va ensuite terminer avec un dernier texte intitulé Be Zany Poised Harpists, Be Blue Little Sparrows, une collaboration avec Jane Hammond, publié aux éditions Dieudonné en 2002. Donc, je vais laisser la parole à Raphaël Rubinstein. Merci, Barbara. Je vais lire mes textes en anglais. Le premier texte que je vais lire, c'est un extrait de Poste Restante, qui a un titre français, mais peut-être ça veut dire en anglais « General Delivery ». Et je suis très fier de que ce texte était activé par d'abord Gervais Jasso et puis Shirley Jaffe, comme vous avez vu. C'est un texte qui consiste des lettres imaginaires à des amis vrais et coupé en morceaux. Je vais lire le commencement. Poste Restante. Et c'est un texte en prose. They have retreated back into their discrete categories and no longer compete for our attention. The debate has been suspended, the symposium called off. But on a table in a small whitewashed building near the sedate harbor,
A chance arrangement of objects leads to a few hours of leisurely cartography, to the adjournment of adjournment. On one side of the typewriter, otherwise known as literature, is the ashtray, otherwise known as philosophy. And on the other side is a cooling cup of coffee, otherwise known as science. Between them, a letter is being written. Dear D, I posit a question in a distant discipline, somewhere beyond the horizon of my abilities and inclinations, then allow it to come towards me in a series of leaps, rushing over the landscape of discourse as if by heliography. Call it a light endowed with memory whose path is charted by means of black lines. Call it graphic deduction. Must the search for truth succeed? For years I repeated to myself, and still do, despite the skepticism which has accrued with my consciousness of that repetition, that only after a certain degree of attainment would I become capable of joining the others. My mistake up until this moment has been the assumption that such an attainment would involve a pause, that it would take the form of a crest or pinnacle, a border crossing, an abyss. Why not instead a billboard on the side of the road I failed to notice because of that curious formation of clouds off to the left, or an obscure station passed in the middle of the night by a curtained express? No answer, while the murmur of postponement continues. Suddenly, if one can call sudden a divorce which has been in rehearsal for years, each break, each reconcilement more vivid, more violent than the last, suddenly I am unable to write. By this I mean that none of the convenient ports have names for me. Lying offshore at tentative anchor, I pace the deck, cursing the numbered berths I cannot approach. Maintenant, je vais lire une série de 10 poèmes très courts qui, et vous voyez sur l'écran l'image avant, s'il vous plaît. Oui. Cinq exemplaires du livre On the New York Holly Bus avec cinq artistes. Pablo Siquer sur la gauche en haut, Elena Barriolo à droite en haut, et de gauche à droite, Fong Bui, Bernard Pifferetti et Amy Silman. Ce sont des poèmes que j'ai écrits, comme Barbara a dit, sur un autobus, et chaque poème commence avec la même ligne, Life is too short, la vie est trop courte, on the New York Holly Bus. One, life is too short for anyone but a shallow fool to think this qualifies as a poem. Two, life is too short for me to waste another second on these paltry lines. Three, life is too short for me to begin describing its bewildering and sometimes beautiful complexities. Four, life is too short, and so is this poem. Five, life is too short, except when it isn't. Six, life is too short, lights glowing from a rural gas station. Seven, which is a haiku, life is too short, oh, nothing to do about it. Write lots of poems. Eight, life is too short when you turn around to look behind, and in the other direction too. Nine, life is too short for us to make up for all the years that went by before we met, 1990, Milan, but we can certainly try. 10, life is too short to let yourself be seduced by fashionable turns of phrase that would leave a posthumous reader cold. Okay, but what are you going to put in their place? 11, life is too short to worry about exactly how short it will be. 12, life is too short to ever exhaust the stock of cliches. 13, contra Oscar Wilde and Storm Jameson.
Life is too short not to get seriously into the art of stuffing mushrooms. 14, for Brian Eno, who once said, life is too short to listen to records. Life is too short to pay attention to the dicta of jaded pop stars. 15, life is too short. South Africa, 42.7. Malawi, 41.7. Sierra Leone, 40.2. Zambia, 40.0. Mozambique, 39.8. Liberia, 39.6. Angola, 38.6. Lesotho, 34.4. Botswana, 33.7. Swaziland, 32.6. There were 15, not 10. the final, le dernier poème que je vais lire, c'était écrit pour un livre que j'ai fait avec Jane Hammond, l'artiste. Et cet livre consiste, les poèmes consistent de 4 poèmes qui étaient inspirés par un poème de Georges Perec. Et je vais lire le dernier texte. Qui s'appelle Active Octaves, et c'est un poème de 8 strophes. Chaque strophe a 8 vers, 8 lignes. Chaque vers a 8 mots, et chaque mot a 8 caractères. Et l'image qui correspond avec ce poème, c'est l'image de ce poster de Jane sur la gauche en bas, qui contient toute, chaque image dans le poster réfère à quelque chose dans le poème. Active octaves. Infinite sonnet. Infinite sonorous caresses surround everyone. Musician, listener, shouting toddlers, impaired retirees, Schubert devotees, tone-deaf bathroom crooners. Acoustic pleasure vibrates globally. Flamenco, desolate devotion, tragical attitude, brooding Iberians, Arabians. Balinese gamelans, unending five-tone mingling. Kentucky fiddling, hoedowns. Broadway musicals, Oklahoma, carousel, Godspell. Carnegie recitals. Offstage trembles, delicate delivery, politest applause. Feasible addition, creature chanson, chirping crickets, warbling sparrows, tweeting blue jays, mandrill howlings, rattling venomous serpents. Eardrums register brimming airwaves carrying assorted auditory messages. Miswired receiver confuses adjacent stations. Highland Scottish bagpipes encroach Jamaican melodica virtuoso. Hendrixy feedback explodes delicate madrigal. Liberace disrupts Tristano. Yodeling mountain peasants bulldoze Idomeneo. Antennas remotely transmit baffling episodes. Mulligan embraces Gesualdo. Bleeding electric bassoons practice Ultravox classics. Veracruz mariachi ensemble enlivens famously pathetic nocturne. Bayreuth audience whistles Zeppelin melodies. Morrissey conducts flawless Sibelius symphony. Imagine concerts. Galactic Coltrane reshapes splendid Goldberg versions. Lurching daintily costumed Jagger X Marion whispers Schumann. Flailing Townsend inciting Chrysler. Sitar man Harrison plucking Granados Goyescas. Ventures plumbing Couperin brothers. Fuzz tone clavecin. Bohannon restates Gershwin Rhapsody. Barbieri modifies Debussy's Estompe. Mayfield sharpens Luciano's aleatory doodling. Banshees brutally dispatch Domenico Cimarosa cantatas. 42,000 groaning Alp horns converge, diatonic mischief. Castrati mangling Masekela. Aspiring soprano performs Parsifal, sneezing. Baby boom bohemians collect harmonic memories. Heavenly examples, maternal rockabye, downtown, Michelle, daydream, revolver, Ichiku, electric ladyland, Kimberly,
Prestige reissues, Costello falsetto, Hartman's rumbling delivery, Coleman's original phrasing, Camarón's gorgeous buladillas, Allison's fabulous southern white man courting. Horrible examples? Campfire shanties, chinless suburban drummers savagely drumming wipeouts, prog rock reunions, Sinatra's mannered crooning, classics stations, Chanteur Halliday, Haggard's Muskogee, anthemic national choruses, monaural stereoed, post-1972 top 40 bullshit. Calendar, and mornings. Carillon, Vuelas, Psaltery, Donovan Sunshine, Superman, Vivaldi, Stagioni, Borodin's quartets, Puentes' timbales, Respighi concerti. Luncheon, woodwind ensemble, Jonathan Richman's inspired idiocies, Goodman's clarinet, 52 mazurkas, panpipes, ukuleles, Viennese operetta, merengue. Evenings, evensong, marimbas, Renborn, Delarue's Truffaut scorings, Monsieur Maurice's Manière, Borodin, Chaprier, Canadian Angelina songster Mitchell, Midnight, Nordine's Speaking Fantasia, Theremin Quintets, Holiday's Indolent Nihilism, Waldron's Terrific Tinkling, Shearing, Yupanqui, Branford Marsalis. Oblivion silently consumes fleeting products, vanished magical creators. Remember Rockpile, Runaways, Revillos, Rosillos, Ray Beats, remember Selector, remember Modettes, Passions, Avengers, Spedding, remember Teardrop Explodes, Personal Unheards Multiply, Poulenc's Mamel, Mudhoney, Pavement, Hawkwind, Mutantes, Honegger Conducts Honegger, Xenakis' Strategy, Glazunov Complete, Benjamin Britten's Gloriana, Salieri's Falstaff, Puccini's Turandot, Babbitt's Philomel, Eskenazi, Khaltoum, McCall's Electric Landlady, Moondog's Releases. Moreover, annually, loudness distorts, earaches increase, deafness obtrudes. Vignette. Nebraska teenager speedily cruising rhythmic American highways. Vignette. Cowardly reviewer disdains Knitting Factory's free jazz festival. Vignette. Beginner carrying Perlman's treasure stumbles, farewell fiddling. Vignette. Ginsburg offering Chicago's officers hypnotic Buddhist chanting. Vignette. Tough guy Brooklyn composer clobbers assholes rustling programs. Vignette. Fiendish flautist garrots unstrung harpists governor executes. Vignette. Victrola hobbyist collects obsolete machines, scratchy platters. Vignette. Ex-punker strummer concocts fabulous hospital elevator measures. Glossary explorer harvests prettier vocables, glissade, arpeggio, serenade. Jingling joyously, lovingly combines lexicon's energies, threnody, sextolet, inverted mordants, mensural notation, mirliton, nurdanga, noctons, olifant, ostinato, pandura, berimbau, zampona, sarimband, diapason, dulcimer, gavotte. Ultimate requests. Ultimate requests? High Life, Wapango, Drifters, Shylights, Telemann, Rambling Muskrats, Strident Piccolos, Outlawed Sampling, Lipsynca Parodies, Cab Lyap, Drob Cab, Everyday Miracles Continue, Neurotic Soloists Flourish, Mediocre Pianists Sidestep Blunders, Exalting Children Reinvent Phrygian Modality. Merci beaucoup. Raphaël. Jusqu'alors, on a pu voir et entendre de nombreuses formes de co-élaboration sur le livre, à partir du livre, qui, bien que projeté, est toujours un livre déjà imprimé. Pour cette avant-dernière séquence de la lecture, Françoise Goria et Pascal Poyet ne vont pas utiliser le livre déjà imprimé, mais sur le moment, bien que tout soit travaillé, intervenir entre le texte lu en français
et l'image projetée, convoquant les new médias, ce qu'on appelle les new médias, que sont l'ordinateur et le vidéoprojecteur, un peu différemment que jusqu'à présent dans cette lecture. Françoise Goria est artiste et expose régulièrement depuis le début des années 90 dans des expositions personnelles. Elle a des œuvres dans plusieurs collections privées et publiques, au MAC à Marseille, la Maison européenne de la photographie, au Fonds cantonal à Genève. En 2004, elle a publié « Il paraît » aux éditions 100 pages. Depuis 2006, elle enseigne la photographie à l'École supérieure des beaux-arts de Toulouse, où elle publie avec les étudiants le journal « Picture Editing ». Pascal Poyet est poète. Il a notamment publié « Au compère » au Bleu du ciel en 2005, « Expédient » en 2002, « Cause cavalière » aux éditions de la Tente en 2000, avec une réédition prévue pour 2011. Quelques textes ont été traduits en anglais par McGregor Card dans Poems, An Exchange, Poets on an Exchange Mission, co-publié par Fishdrum et Double Change en 2009. Et Françoise Goria et Pascal Poyet, ensemble, sont les éditeurs de Contramain, des livres d'une feuille pliés en 8 pages qui publient ou dans lesquels on trouve les textes d'auteurs français, d'auteurs américains traduits, des textes de traducteurs et des textes d'artistes. Et tous ces livres se trouvent là encore sur la table que vous trouverez en sortant sur votre droite après la lecture. Donc Pascal est ici, Françoise est là-bas. Comme ça. Ah. Ouais. Donc c'est une expérience en co-élaboration qu'on va vous proposer. J'ai entendu le mot performance tout à l'heure dans la présentation, je pense que ça nous concernait. Cherchant bien, comment faisait-elle déjà, maintenant les coquilles dans l'assiette, vide, jetons du lest et, une excuse mais dehors, sortons, voyons voir, mais au fait de quoi sortir sinon, si l'on va de la sienne faute de s'y plaire et ne s'y retrouvant mince que par chance léger, ne récupérant vide, ne récupérant jamais qu'un peu, ne demander, sorti de but en blanc, incident, sortant juste au vrai d'en prendre, mais pour en récupérant encore heureux, des vétilles, donner dedans encore, mais de là s'en embringuer, qu'elle les essayait toutes. Qu'ils tiennent un discours, mettons, par leur ensemble, mais ensemble, il faut l'avouer, quelle idée qu'ils ne font, contingent, l'ensemble qu'ils ne font qu'en théorie disposés qu'ils sont, les objets regardent comme tout ce qui s'offre sûr, mais c'est l'espace qui, à l'évidence, est offert, osé, garantise au secours, les objets garantissent au secours, on le jurerait, tangible, qui pourtant se met, ça y est, à glisser. Glisser, regarde, manœuvre, douce, excuse, bye bye, disposant sous la prise vite du regard, attention, à quoi, dès lors que sur un plateau, attention à quoi, dès lors que sur un plateau disposant, le plateau de cette table, il s'éclipserait serré et après. On ne trouverait à tout essayer dur, en tout, on ne trouverait en tout dépositaire bien léger cependant que le plus court expédient, moyen de n'ambitionnerait-on léger qu'un peu respirer, bref, poussant voir plus loin ou bon, profond, respirant, bon, profond, portera l'ambition, ne plus donner dedans,
ou ce que vous êtes sûr à ne trouverait que ce que vous êtes sûr à l'usage on y aura laissé, à savoir une élite, déjà ça de moins, si ce n'est jouer par ce tout, pour peu qu'il ressorte vite, mais de là s'y attarder, serait que l'élite s'offrant au plus, elle aussi a fini par échapper, juste, si ce n'est juste une excuse bien mince, on ne trouverait, qui se poserait là. À quoi bon, si ce n'est pas au même, y revenir, voir encore et se flatter, sortant seulement d'en prendre, mais c'est, pensez-vous, y couper toujours ça d'inévitable, de se flatter, de récupérer sur, à quoi bon, l'évidence comme elle est, sans appel, mais jamais en fait, revenir jamais, en fait, au point où, l'occasion où, revenir jamais en fait, à l'occasion où elle en était, ou alors que là c'est elle qui, voilà bien l'évidence, en jetterait net sur pièce plutôt, alors, revenir sur le nom, c'est qu'on n'en sait pas lourd quand on sait qu'elle s'appelle pièce, serait-ce à long bon sans pour autant, seulement cette fois c'est autant de prix, ne trouver là non plus que ce, voyez, qu'elle donne. Un peu à la légère, droite et au plus pressé, aller, tiens, jusqu'à de but en blanc, toucher, pardon, de près, mais quoi ? Qui soudain, en délicatesse avec l'évidence qui force la porte, ce qui se le demande un peu, finira par là, qu'elle ne saurait être, l'évidence, qu'elle ne saurait être que de plus belle, passant, seul juge, et du blanc au noir léger de passant, de velléité en évidence accomplie par crier, finira, passant, par crier au but et décidément, qui coller un nom vite qu'au reste elle porte, rien, voyons là, ni fait, pas même, à force, rien, pas même, je t'en ficherai l'excuse qu'on a pris pour sortir ou sortir voir, à quoi, l'excuse, voyons, puisqu'au seul joue en chemin, d'y coller, en définitive, on s'expose. Portant léger sur le moindre, tiens, mais il n'y a qu'à se baisser facile. Que moyen d'échouer, il n'y a que moyen d'échouer, bon, voué aux objets comme touché au but. Mais qui sait comment, et même si, possible mais pas évident, cela tournera. Comment portant, qui sait comment, portant léger sur le premier venu, sans crier gare, abat, que sais-je, crier, que sais-je, toucher, comment, toucher sûr, mais toucher, bonjour, une chose du doigt, quelle ambition, n'en poserait-on à en juger d'ici jamais qu'une face. En jugeant, voyez à part l'écorce, que toucherait-on enfin, qu'on aurait pris au mot, mais à seule fin d'évidence, ce prix, mais priva comme bille fin portant sur, roulant serré ou sur elle léger le but ou l'excuse, et sauf que c'est, à la légère, à s'en donner haut, l'un plus que l'autre, bon, dernier parti, on irait tout seul juge, plutôt que, cherchant loin, le nom, droit à l'objet, on irait. À ces mots, sauf que c'est à ces mots à peine si, à part, sur sa lancée, c'est la sienne encore, bravo, et en quoi que l'on touche. Qu'est-ce d'abord, d'aspect, parmi ceux exposés divers au secours et à l'occasion, exposés à l'occasion, élite autour de soi annexe qu'un objet tient,
aussitôt remercié, sinon, qu'est-ce ? Une chose à destination que sans bouger, quasi, on atteindrait, récupérant toujours objet, déjà ça, de quelque chose. C'est qu'il n'y a rien sur un plateau et de velléité que de l'heure que ce franc grave, on le serait à moins, de ce franc de récupérer, on s'y expose, mais. À même de se poser là, il ressort, comment voulez-vous ne pas le voir, sur pièce que, il ressort, sur le moment jugez-en rien au vrai, de plus dur à croire, pour qui, récupérant, ne se voue là-devant qu'à ce qui s'offre, et comment, frappe nette, il n'y a rien, ou des craques, faciles, quand tout, rien, quand tout, excuse et pour tout, à preuve et encore, pas dupe. En évidence, mettons, on le jurerait, mais tu parles. Autre chose au moins, attendez qui, des histoires, sinon celui d'évidence, qui, sinon celui d'évidence, échappant bref, ne laissera pas même un nom. Il n'y a garantie vite d'objets que dans l'heure, et d'objets en moins de rien que remercier, bref, aussitôt exposé, voilà, voilà qui serait encore plus juste, encore qu'il n'y en ait pas, d'objet, voilà, qu'il n'y en ait pas, voilà l'ennui que l'heure garantisse ferme ou une élite au plus au secours que s'étant en privé offert, à la légère peut-être, l'élite, de recueillir, chiche, au final en délicatesse à tout prendre, pardon, on s'excuserait avec, s'excusant d'où, s'offrant une sortie de, jusqu'à pas d'heure, mais là peu ambitieux, récupérer en ville. Jamais par définition, quelque chose a paru clair, mais voilà, mieux vaut tenir. Jamais non plus enfin l'évidence, mais à l'occasion toujours, à discrétion, c'est qu'il en faudrait pléthore, et au bas mot, voilà l'ennui, le pire et même, il en faudrait même à qui sait y faire, se payer, je veux de mots justes pour s'y faire faute, qui sait, pour s'y faire faute, pris de court. Rien qui soit à force, si ce n'est en revenir, d'un nom à y mettre bref, ou pousser haut jusqu'à tomber juste pourtant, c'est dire, s'il le fallait, jusqu'à s'il le fallait faire pseudo, si c'est, penser si, toujours pareil, juste, pour tromper l'évidence. Comme par nature, essayez voir, vouloir dire n'est, dehors, penser ouste sur quelque objet qu'elle se pose, creuse pas, penser pas, signifier net, que, n'est que, velléité d'abord, mais au juste de quoi, vouloir dire, ferait-on l'éprouvant dès lors qu'à satiété tient, ou à loisir, n'y trouvant creuse à l'épreuve encore, des vétilles qu'à avaler amène. On récupérerait, dès lors qu'on récupérerait léger, se hasardant, sorti voir, ou lanternant, belle, allez, se hasardant, sorti voir sur pièce de la sienne un peu lège, dans la nature aller tester toute, cherchant maintenant, dans la nature, comment faisaient déjà les coquilles, mais ce n'est pas tomber juste, juste tromper le chemin, au bruit qu'elles font, retombant fini, tenez, dans l'assiette.
autant que de prise à non plus en tenir bon, ni s'en récupérer un peu, en donner lourd et à preuve tellement en donner qu'on ne serait devant. Suffirait-il comme ça de souffler dessus pour toc, ne pas voir facile ? Qu'approuver haut, devant, qu'approuver ne serait qu'approuver haut et juger, et faire me juger bon, enfin que soit, aussitôt toujours, plutôt que par toujours par ailleurs remettre un nom dessus, au pire, mettons, que soient les choses, et qui ferait-il en effet leur nom osé habille pareil ? La volonté doux dans les choses, la volonté doux dans les choses s'excuse qui sur ce, cet échantillon du moins, dépositaire sont les choses remerciées. Rien d'attention ne se posant là d'emblée ne plairait pareil, mais c'est d'ailleurs la tendance, patience, le truc, si ça se trouve, s'installe, mais s'installe dans le provisoire, comme qui dirait devant, voilà le panneau. Les objets sont tangibles, les velléités, les indicateurs des injonctions. Si les mots sont pleins, ce verre vidé, seule la soucoupe ou en couvercle, donné dedans. Rien ne s'offre, osé, dirait-on, rien ne s'offre, osé, dirait-on, que l'espace, et encore, celui d'un évitement, ou mais, c'est une autre histoire du tutoiement, rien ne s'offre, osé, rien que d'incident, l'ambition qui vous prend sans verre n'ait été clos sans attendre qu'une esquisse, rien qu'une esquisse, bref, mais de quoi, tu l'as dit, grave ou s'attardant, osé, un peu encore, au signal, tout juste, une velléité de l'heure. Est-ce, mais tu parles d'une sinécure qui récupérant, quoi, ça ? Autant de prises et en moins, il faille, même au verre, à t'en voir tout essayer d'où ? Merci. Nous allons finir. Est-ce qu'on... Nous allons finir avec Susan B. et Charles Bernstein. Susan B. est peintre. Son travail est représenté par la galerie Ayer à New York. Elle a réalisé de nombreux livres d'artistes en collaboration avec les poètes Charles Bernstein, Susan Howe, Johanna Drucker, Jérôme Rauffenberg et tout récemment Régis Boncivino. Elle a également coédité une anthologie d'écrits d'artistes, de théories, de critiques intitulée Meaning et publiée par Duke University Press en 2000. Elle enseigne à la School of Visual Arts à New York. Charles Bernstein est poète, il a publié plus de 40 livres, poèmes, essais, opuscules, livrets, traductions, collaborations. Son dernier livre était All the Whiskey in Heaven Selected Poems 2010, publié par Farrar, Straus et Giroux, et apparaître au mois de mai, Attack of the Difficult Poems, Essays and Inventions, publié par Chicago Press, University of Chicago Press. Il a composé des livrets pour des compositeurs. Sa collaboration avec Brian Ferneyhough, Shadow Time, avait été représentée dans le cadre du Festival d'automne en 2004 au Théâtre des Amandiers. Charles Bernstein enseigne la littérature à l'Université de Pennsylvanie, où il est titulaire de la chaire Donald T. Reagan.
Il est avec Alfil Reis, le fondateur de Pen Sound, un formidable site d'archives sonores de poésie. Susan et Charles ont préparé un... vont nous montrer certaines de leurs collaborations à la fois ensemble et avec d'autres artistes. So I'm going to start by talking in English. My French is really terrible. So this is a painting that I did in 2000. I'm going to be showing some paintings and some books, and then Charles will read some of the poems that he wrote. This painting is a collaborative painting with lines from Charles's poems. It's called Sprung Monuments, and it's from 2000. And I incorporated just little fragments of the poem, not the whole poem. So I don't know if you need to translate that. Okay, so next, or suivant. Aha. So this is one of the details from the poem and from the picture. And I made a lot, it's in a grid form, and they're all little segments which are painted and collaged with oil paint. And I also collaged the type into the painting. Better. Sorrower than a lender beam. And the bottom says, there is no destination like the present. Next. And then Charles might want to read some of his lines. Be quiet, dummy head! Tais-toi, crétin. Think digitally, act analogically. Penser numérique, agir analogique. So, I was trying to match some of the surrealistic, humorous, and odd meanings of this poem in terms of the images, but there's not a direct correlation in any of these settings. Next. Okay, this one's called Sign Under Test from 2000. It's obviously not such a big painting as this. And I used a lot of phrases as well as this, the Sign Under Test, which is the title of one of his poems. So I cut up the poem and put it into the landscape of the painting. Next. And this is some of the lines set into the painting, which is oil paint and enamel paint. Next, Charles could read a line. Sometimes a gust is just a gust. Tilt! Next. I've also made 13 artists' books, and this one is called Little Orphan Anagram, published by the Steve Clay of Granary Books in New York. I've done 6 books with him, and this one was... published in 1997, and this is the cover to Little Orphan Anagram. So next, and we have the same lines, some of the same lines that are in the poem, in the picture here, and also in the painting. Please, do not touch this switch. Ne pas toucher à la manette, merci. And this. Book was printed letterpress and then hand-colored. So the entire edition, which was 35 copies, was all hand-colored with watercolor and gouache in the very old-fashioned way. Next. Don't speak so loudly. People will hear what you think. Ne parle pas si fort. Les gens vont entendre ce que tu penses. Next. And this is sort of the title poem of the book. And I was trying to get to some of the nursery rhyme sounds of the poem. And also this character is the Little Orphan Anagram. So Charles will read, and Abigail will read. L'orpheline anagramme sur un arbre perché, meurtri par l'orgueil, abandonné par décret. Little Orphan Anagram, sitting in a tree, bruised... by pride, abandoned to decree. It's a very sad poem. Next. Be quiet, dummy head. Les parties sont plus grandes que la somme du tout.
The parts are greater than the sum of the whole. Tais-toi, crétin. And this one's actually based on a drawing chart from the 1940s, where I loved the fact that it was all about how to draw anatomy and the woman's wearing high heels at the same time. So it seemed like some sort of strange thing that she couldn't pose naked without heels. So, next. And this is actually also based on a drawing chart. I got really interested in these books of anatomy from the 40s, how to draw. And Charles is not going to read this poem. Next. But Charles will read this one. Ruisseau du juif mort. Servez-moi du boudin noir, salami. Servez-moi du dig-dong-dong et j'irai gargouillant. Danse avec moi, avec ma cravate coupée, cravate coupée, cravate coupée. Amourage-toi de moi après le déluge et dig-dong des Noé. J'ai rendez-vous avec une belle abeille, une belle abeille. J'ai rendez-vous avec ma jolie petite merveille. Rivulets of the dead Jew. Fill my plate with boudinoir, boudinoir, boudinoir. Fill my plate with a high, hey, ho, and a rumble I will go. Don't dance with me till I cut my tie, cut my tie, cut my tie. Don't fancy me till the river's run dry, and a hey, and a high, and a ho. I've got a date with a bumblebee, bumblebee. I've got a date with a wee, bonny wee, and a hurtling we will go. Next, we're not reading from this one, is the end. All of these books are very abstract, yet they have a beginning, middle, and end. And so this was the page that I made for the end. And I reversed the type so that the black shapes contain the white type and then painted over it. Next. So this one is called Logarithms. And do you need log? Oh, that's, okay. This is Logarithms, published by Granary in 1998, that's Charles in front of our cabin in Lake George where we went on a vacation that was a lot of rain. And we found out when we drove to the cabin that the name of the cabin was Logarithm. So we had a month in the rain, so he wrote the poem and I did the pictures. So next. And this is one of the pages. It's all black and white illustrations. It's actually a trade book, not a limited edition book. The first line of this is, we're all serialists now, said the barker, for the language contortionist act on the net. Words, words mangled within and in beyond an inch of sense. Next. This was another page, two pages, actually facing pages, which are all the bobs, which Charles and Abigail can read. Bob, soin cosmétique. Bob, tout pour la pêche. Bob, réparateur auto et poids lourd. Bob, l'épicier. Bob, le glacier. Bob, tout à 1 euro. Bob, le chip chandeleur. Bob, matériel de mini-golf de plage. Bob, tout pour le billard. Bob, location de bateau. Bob, matériel photo professionnel. Bob, tout pour le camping. Bob, tissu d'ameublement. Bob, entreprise en bâtiment. Chez Bob, cafétéria. Bob, le quincailler. Bob, train et circuit électrique. Bob, le piscinier. Bob, le garagiste. Bob, laverie automatique. Bob, maison en bois. Bob, farce et attrape. Bob, le crépier. Bob, caravaning. Bob, agent immobilier. Bob, garde-meuble. Bob, tout pour le sport. Next. Bob, tout pour Next. Le surf. Bob, le taxi. Bob, hôtel. Bob, le soudeur. Bob, drapeaux et hampes. Bob, tout pour le jardin et la déco. Bob, stores et tentes. Bob, le brocanteur. Bob, l'encadreur. Bob, pièce auto. Bob, le roi du placo. Bob, le dépanneur. Bob, bungalow. Bob, châssis SARL. Bob le pharmacien, Bob le maroquinier, Bob le vitrier, Bob le barbier, Bob le tuyauteur, Bob le chauffagiste, Bob couverture et cloison, Bob réparateur de petits électroménagers, Bob palettes et emballages, Bob fosse septique et canalisation, Bob le papetier, Bob le céramiste. Back one on the slide. This is a genre that does not yet exist in France, the bobs, but we're trying to introduce it here. And we're hoping that you will also have Bob's soon. Bob's Body Shop, Bob's Bait, Bob's Auto and Truck Repair, Bob's Grocer, Bob's Ice Cream, Bob's Variety, Bob's Marine,
Bob's Beach Miniature Golf, Bob's Billiards, Bob's Boat Rental, Bob's Camera and Craft, Bob's Camping and Equipment Co., Bob's Canvas and Upholstery, Bob's Construction, Bob's Diner, Bob's Hardware, Bob's Train and Hobby Center, Bob's Pool Service, Bob's Garage, Bob's Laundromat, Bob's Log Homes, Bob's Novelty, Bob's Pancake House, Bob's RV Park, Bob's Realty, Bob's Self-Storage, Bob's Sports Outlet, Bob's Surf Shop, Bob's Taxi Co., Bob's Motel, Bob's Welding, Bob's Flag and Pole Co., Bob's Gift and Garden Center, Bob's Awning and Tent, Bob's Used Furniture and Antiques, Bob's Frames, Bob's Auto Parts, Bob's Drywall, Bob's Hauling, Bob's Bungalows, Bob's Bearings, Inc., Bob's Pharmacy, Bob's Leathercraft, Bob's Glass Doctor, Bob's Barbershop, Bob's Ducks, Bob's Heating and Cooling, Bob's Roofing and Sliding, Bob's Vacuum and Appliance Repair, Bob's Pallets and Skids, Bob's Septic and Drain, Bob's Stationers, Bob's Tile. Next. Next. Next, yes. So this page, in this page I had a choice of a lot of lines to draw, but I decided to deal with the first two lines, which is the puppy is the father to the dog, or possibly father-in-law or cousin, in any case related. And so there's a mouse and a cat, and they chase each other around the poem with the dog. And that's the setting. Le chiot est le père du chien, ou éventuellement beau-père ou cousin, en tout cas apparenté. La souris chasse le chat, mais uniquement dans le poème. Des couvertures d'indécision vermillon plâtrent le périmètre, puis s'estompent, comme les rames sans le bateau, en dissertation présumée. Un acte absorbe une hache, ou l'inverse. La circonspection dominant ses voisins parsemés, pour s'élancer avec une ardeur nijinskienne jusqu'aux logiques stratifiées de son troupeau subalterne. Pivotant en attendant, l'imbroglio ballotte ses truffes qui trompettent avec une lueur de noirceur à proximité des pupilles, remontant la rive à plusieurs nœuds au-dessus de l'allure, ou défait le nœud pour délivrer la boîte à sa confiscation destinée. Le cadeau est toujours moindre qu'il ne semble. La marchandisation ne compensera jamais l'emballage vide de nos vies en livrée. Si l'action est toujours compromise, alors la spéculation fait rugir le moteur avant de passer la surmultiplier. Les berceuses reprochent, les plaintes nuisent, les chants solennels leurrent, que mène la langue. The puppy is father to the dog, or possibly father-in-law, or cousin, in any case related. The mouse chases the cat, but only in the poem. Blankets of vermilion indecision plaster the perimeter, then fade, like the row without the boat, into presumptive disquisition. An act absorbs an axe, or the other way around, circumspection overpowering its blotchy neighbors to leap with Nijinskian ardor to the layered logics of its subaltern flock. Wending while waiting, entanglement buffets its trumpeting truffles with a gleam of gloom about the pupils, moving up the shore at several knots above pace, or untie the bow to release the box to its destined foreclosure. The gift is always less than it seems. Commodification will never compensate for the empty package of our liveried lives. If action is always compromised, then speculation is revving the engine before shifting to overdrive. Lullabies reproach, laments detract. Next, actually. You got to the next page. The gift is always less than it seems. Commodification will never compensate for the empty package of our liveried lives. If action is always compromised, then speculation is revving the engine before shifting to overdrive. Lullabies approach, laments detract. The solemn songs delude. Let language lead. Next.
It was not a limited edition. And here I tried to match the mystical qualities and the historical qualities of Susan's writing. And it was a great honor to be allowed to work with her, and very challenging. Next. And there you can see some of the beds and the way the poems were embedded in the drawings. Next. And the other, a few other things I'll show briefly. I worked with Johanna Drucker on this book called A Girl's Life, also for Granary Books, 2002. And it's about teenagers and lust and love and romance. Next. And also about innocence of young girls and how they grow up. And we ran the type. She did the typesetting and ran it around the pictures. Next. And this was, she crouched beneath her nightmares and waited. Next. The other one I will show didn't come out too well, but it's The Burning Babe and Other Poems, also published by Granary in 2005, and the poems are by Jerome Rothenberg, and this is the first page. Next. This was all about Renaissance images and images of babies in medieval and Renaissance in paintings, and his poems are about that, so that's what the images consist of. Next. And then this one was a bit more about Schwitters and the Mertzbau and collage and World War II. Next. I'm giving a very brief summary of these books, which actually are very long books. This one, Entre, is with the Brazilian poet Regis Bonvicino, as published by Collective Generatif, and I thank Gervais Jussot for publishing this book and getting me to do this book. It's all, the letterpress is set by, the black type is set, and then everything else is drawn in. Next. And this is the last spread from that book, which is also collaged and with watercolor. So I think now we're going to switch to... Kate Moss. And that's Kate Moss, right. Very important. Thanks. Next. Charles is going to talk about this. Sure. Donc ça, il s'agit d'une collaboration de Charles Bernstein avec Richard Tuttle, qui a été montré à l'exposition Poetry Plastic en 2001 à New York. C'est le premier vers d'un poème qui a été enfilé sur un support. Donc les lettres constituent le premier vers d'un poème de Charles, et le poème complet figure sur le pourtour aussi de chaque lettre, on le verra sur l'image suivante, et dans le pot en terre au sol. Next. Next. Oui, là, on voit le poème entier le long de chaque lettre. Next. Ça, c'est une collaboration avec Mimi Gross qui a été publiée en 2005. Ce sont les réactions à la fois de Charles et de Mimi Gross au 11 septembre, des dessins de Ground Zero, donc le site du World Trade Center. Today is the next day of the rest of your life. Next. We're ugly, but we're not that ugly. Next. Ça, c'est une collaboration entre Charles Bernstein et Gilles Moser. Again, Collective Generation. Publié par Gervais Jassot. Sure. Okay. So the last we're going to read, c'est une élégie pour Emma, la fille de Suzanne et moi. We're going to read it line for line, and you'll tell them when to switch. It's four slides. Right. We should be next to each other. Okay. This drawing is actually not the entire poem. I took some excerpts from the poem, and I made four drawings. So we'll show the four drawings, and they'll read the poem. And that's the last thing we'll present.
So before that, because I don't want to say that after, I want to thank all of the people who made this possible, the group that put on the conference in Cannes, and the Double Change people, I think for all of us who were invited from the U.S. and even from here in France, we say merci beaucoup, beaucoup. And also, I wanted to say that we brought the actual books, so if anybody wants to look at them, I'll put them out here les livres at the end. Pourront être consultés à la fin, pas, ne seront pas vendus, mais pourront être consultés à la fin de la séance. Before you go. Avant de partir. Pensées inanimées, heurtées, en trop, avant de partir. Thoughts inanimate, stumbled, spare. Before you go. Deux lacs dans une jarre avant de partir. Folded memories tinctured with despair before you go. Furtif puis lendemain, l'orge à maison avant de partir. Two lakes inside a jar before you go. Flamme illumine fable erratique. Avant de partir. Flame illumines fitful lie before you go. Furtif, puis lendemain, l'orge à maison avant de partir. Furtive, then morrow, nevering now before you go. Écart cinglant, pluie piquetée avant de partir. Lacerating gap, stippled rain before you go. Colère qui râpe, âpre et douce, avant de partir. Anger rubs raw and sweet before you go. Jamais vu l'autre côté du sommeil avant de partir. Never seen the other side of sleep before you go. Rien ne reste, pas encore, pour la douleur avant de partir. Nothing left for, not yet, grief before you go. Une pente, une carte, effort pesant avant de partir. A slope, a map, insistent heave before you go. Pierre et tige, nocturne, élan avant de partir. Stone and stem, nocturne, leap before you go. Boussole de dents et d'os avant de partir. Compass made of bones and teeth. Before you go. Le vent s'affole, brute du délire, avant de partir. The wind up acts, delirium's beast, before you go. Apaisement répandu, impatient, parle, avant de partir. Spilt quell, impatient, speaks, before you go. Rire en cascade, éclat s'échappe, avant de partir. Rippling laughter, radiance leaks before you go. Nul lieu, nul son, ni haut, ni bas, avant de partir. No place, no sound, nor up or down before you go. Fumeux, s'enfle et suinte, avant de partir. Smoky, swollen, seeps before you go. S'agite en cœur, comme la nuit dernière, avant de partir. Tossing in tune, just like last night, before you go. Je suis encore loin du combat, avant de partir. I'm nowhere near the fight, before you go. Plus rien à rattraper, avant de partir. Nothing to make it right, before you go. Plus rien à figer, fin des compromis, avant de partir. Hope, offense, wells on fire, before you go. Saute la barrière, le puits est en feu, avant de partir. Slammed when you don't, damned if not, before you go. Claqué dans un cas, maudit dans l'autre, avant de partir. A hound, a bay, a hurtled dove before you go. Un dog, un bai, une tourterelle avant de partir. Coriander and lace, stickly grace before you go.
coriandre et dentelle, grasse colliante avant de partir. Trace englobante, spasme en baisse avant de partir. Englobing trace, fading quakes before you go. Graal du diable, face du sort avant de partir. Devil's grail, face of fate before you go. Désanimation suspens, effroi récalcitrant avant de partir. Suspended deanimation, recalcitrant fright before you go. Et cette foutue lenteur qui gagne avant de pas. Everything so goddamn slow before you. Serre-moi fort, je me sens faible avant de. Take me now, I'm feeling low before you. Laisse-moi détacher cette remorque avant de. Just let me unhitch this toe before you. Encore un point à coudre avant de. One more stitch still to sew before. Calcul caché loin sous la neige avant. Calculus hidden deep in snow before. J'entends pas, ne dis rien avant. Can't hear, don't say, before. Reste tranquille, qui chante cette chanson, Ava? Lie still, who sings this song, Bef. Un gage, un coup, un stylo féroce, Av. A token, a throw, a truculent pen. B. Ne sais pas trop, mais ça oui. A. Don't know much, but that I do. B. Deux voies d'asphalte, lumière ondule. Two lane, blacktop. Undulating light. Si j'avais commencé la lecture en interrogeant ce qui se passe, j'aurais envie de la terminer en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?»